Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore le C'est téléphone. Bon, on a accès au QG de Bloom. Oh, désolé d'avoir douté de toi. Parce que tu doutais de moi ? Bah, je suis réaliste. Écoute, je suis en train de créer un virus qui va m'effacer de leur système. Oh, je suis trop fort. Donc si je comprends bien, il me reste plus qu'à aller l'installer chez Bloom. Y'a quoi comme sécurité ? Voilà. La milice de Pony est composée d'agents de sécurité freelance. En gros, s'ils font une connerie, ils perdent leurs clients. Si je leur fais faire des conneries, ils enverront plus d'hommes. Et du coup, il y en aura moins au QG de Bloom. J'aime pas trop ton plan. Il va être effrayant. Voyons le parcours envoyé par T-Bone. Ces types ont un itinéraire plutôt direct. Ça me laisse beaucoup d'occasions. Mais il peut changer, peut-être. Je pense qu'il pourra changer l'itinéraire. Bon. On va pas se prendre la tête, regardez bien. Comme on dit, dans la vie, faut pas passer par quatre chemins. Mais plutôt... D'accord. Plutôt par un chemin. Poussez-vous. Poussez-vous. J'ai pas le temps. Je suis quelqu'un qui est très pressé dans la vie. Voilà, ils vont passer ici. Donc, est-ce que j'ai la bonne arme sélectionnée? Justement, non. Oh, le peintre, il m'a même pas vu. Oh, par contre, j'ai l'impression de neutraliser. C'est tué ou c'est juste neutralisé? Au revoir. Au revoir. Putain, enfin, la police. Désolé, hein, je tire Dolta et je me casse. D'accord. J'adore le poteau qui était en plein milieu ici. Je recommence, les amis, mais en plus propre. Oh non, mais ça commence bien. Le petit souci que j'ai eu, je vais vous raconter, c'est que j'avais pas vu le poteau, pour être vraiment franc. Itinéraire localisé. Voyons le parcours envoyé par T-Bone. Ces types ont un itinéraire plutôt direct. Ouais, ça me laisse beaucoup d'occasion. Ou peut-être que je vais la jouer plus malin. Vas-y, sors de là. Voilà, moi aussi je vais jouer en plus direct. Avec ça, je risque plus rien. Voilà, c'est tout simple, hein, franchement. J'espère du moins, quoi. Par contre, ils sont déjà là, les mecs. C'est impressionnant, quoi. Alors, s'ils ont un itinéraire direct, faut faire attention, parce que des fois, ça peut changer au dernier moment. Attention. C'est un peu mal fait comme connerie, quand même. Hein. C'est vraiment mal fait, hein. Waouh, la voiture volante et tout, attention. Ouais, voilà, c'était du rapide. Ouais, c'est Bodji et son action. Oh non, pas la police. Qui appelle la police là? Merde. Écoutez, il y a un putain de malade qui fait un carton sur les gens. Grouillez-vous. Ah, il est trop loin, je pourrais jamais l'intercepter. Bon bah, on va préparer. C'est où le scan là que j'ai? Oh non. Oh, pauvre chou. Je sais pas si je peux aller directement à la planque comme ça. Peut-être que je pourrais me cacher dans la planque. Attendez, je remets un deuxième scan. Ah, je la joue carrément différemment, vous avez vu. Hein. Et une petite troisième tentative. Ils vont me scanner de toute façon. Pauvre chou. Vite, 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 vite. Rentre à l'intérieur. Je pense qu'il pourrait aller se mettre. C'est où l'entrée? Oh, mais n'importe quoi. Ah, par contre, j'ai appris un truc, c'est que tu peux pas rentrer dans les planques si tu échappes pas à la police. Eh ben. Oh, par contre, j'ai plus de trucs, hein, au cas où. Hein. Ça, c'est un peu mal fait, par contre. Il me faut combien de trucs? C'est bon, de toute façon, les flics, ils vont me pourchasser hein, dans pas longtemps, je vous le dis. J'ai plus du tout d'instruments pour fabriquer le truc. Ouais. Course poursuite imminente. Je
pensais pouvoir me planquer dans la planque, mais malheureusement non, c'est faux. C'est faux. Voilà, je suis protégé. Bon, on va casser le poteau. Je sais où je dois aller, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je sais aussi comment les esquiver, les petits vénards de policiers. Mais là, franchement, je suis content de la mission, là. Ça a été super rapide. Non. Parce que tu vas me tuer après. Il n'y a pas moyen que j'arrête mon véhicule, ça va pas. Eh merde. Par contre, le jeu, comment il est mal fait. Les flics qui parlent, mais ils t'ont même pas encore touché, qui te disent qu'ils vont déjà te démolir la moitié de ta gueule. Mais non, mais non, non, merde. C'est quoi cette police mal élevée? Putain, par contre, si tu tombes là, t'es mort. Hein. Oh là 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 là, oh là 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 là. Un glissement de terrain est vite survenu. Elden Pierce, commence pas. Par contre, qu'est-ce que c'est? C'est bourré de bugs. Hein. Tu peux pas passer où tu veux, tu peux pas sauter où tu veux. Regardez, regardez. Pourtant, je suis en face, hein. Il veut pas. C'est pas réel, hein, je trouve. Hein. Ah, c'est trop pas réaliste. Bon, de toute façon, il y a un truc, en fait, pour ceux qui savent pas, hein, je vais vous donner une astuce qui va vraiment vous servir. C'est que pendant que vous êtes poursuivi par la police, vous prenez même pas la tête, vous allez faire un petit tour à la nage et vous revenez. Et je vous assure, ils vous poursuivent pas parce qu'il n'y a pas de bâton, en fait, disponible pour la police. C'est pas comme dans GTA V, de toute façon, tu te fais poursuivre un peu partout, que là, regardez, vous allez vous marrer, hein. Ils sont là-bas, les flics, hein. Ils vont jamais m'atteindre. C'est ça que je trouve qui est vraiment mal fait sur le jeu, par contre, c'est qu'il n'y a pas de course-poursuite sur le petit canal ou sur un lac, etc. Il n'y a rien. Il y a juste l'hélicoptère que, par contre, vous pouvez avoir perturbé. Merde, les communications. Le seul truc qui va vous poser problème, c'est ça. Donc là, je vais voler son bateau. Regardez bien l'hélicoptère et perturbez son signal, les amis. Au revoir. Mais putain, va-t'en de là. Oh, mais c'est abusé des fois leur truc. Tu vois pas qu'ici ça tire? Bon, maintenant observez bien, je vais aller de l'autre côté. Vous allez vous marrer. Voilà, c'est tout con, hein. C'est super con comme truc, hein. C'est ça le gros point noir de Watch Dogs, en fait. Vous prenez un bateau. Vous allez tout simplement faire un petit tour à la nage et vous revenez, il n'y a plus rien. C'est fini. On prévient toutes les patrouilles. Tu reviens justement là-bas, parce que la mission va poursuivre là-bas, je pense. Voilà, tu vois. Bon, Bloom a pris un coup dans l'aile. C'est le moment d'agir. Bordel. Si seulement c'était connu à l'époque, on aurait fait des merveilles. T'inquiète, on pourra les faire à Chicago. Ça y est, ton virus est prêt? Plus ou moins. Plutôt plus ou plutôt moins? Plus. Ça devrait marcher. Enfin, je crois. Attends, tu te fous de moi? Je vais me jeter dans la gueule du loup, là. Mais panique pas. Contente-toi d'atteindre leur serveur. Moi, je m'occupe du reste. Elle est belle, la légende vivante. Merci, Clara. La quoi? Merci qui? Laisse tomber. Donc, attendez, parce que je suis obligé de monter. Et par contre, il y a des bugs, en fait, sur le jeu. C'est que parfois, vous avez un petit mur, en fait, invisible qui vous bloque. Mais ça m'arrive quasiment tout le temps. Même là, par contre, il peut pas sauter. Et il faut savoir que je peux pas sauter. Hein. Je n'ai pas cette possibilité. Par contre, body. Roche ton arme. T'es cinglé ou quoi? Non. Donc, les trucs criminels, pour l'instant, on les fera un peu plus tard. Je trouve que c'est un peu loin. C'est pour ça, c'est où? Ah, c'est trop loin de la mission. Désolé, pour une fois, c'est un peu plus loin. Et en plus, j'ai combien de barres là? De petites secondes. Je vais voir si je suis vraiment quelqu'un de poli en ce moment. Ouais, ça va, je suis quand même un justicier. Hein. Donc, on a tout sous contrôle. Ça fait vraiment plaisir. Alors moi, je suis pas embêté. Hein. Vous voyez, c'était pas si compliqué que ça de prendre tout le contrôle de la ville. Hein. Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour jouer. Hein. Parce qu'on sait exactement par où les flics viennent, etc. Et ouais, c'est ça de pas se précipiter tout le temps à faire que du principal. Hein. J'espère que ça vous servira de leçon parfois. Donc c'est parti. Bloom, c'est l'avenir. Pour que Thibault vienne à Chicago avec moi, je vais devoir m'infiltrer.
dans le siège principal. Des experts en sécurité. Ça va pas être simple, vu que je suis un gros bip sur leur radar. Mais si j'y arrive, Raymond Kenny me devra une sacrée chandelle. Attendre, c'est parti, localiser les locaux. Il y a quelque chose qui a klaxonné. Mais qu'est-ce qu'il fait le camion là? Mais sérieux lui? Quelle belle voiture as-tu? C'est bon, t'as plus de voiture, tu peux carrément oublier qu'elle existait. Je viens de te la dérober. Oh, je croyais qu'elle appelait la police. Bon, sois prudent, tu vas débarquer comme un cheveu sur la soupe. Tout le périmètre est très surveillé. Gaffe, s'ils te repèrent, ils bloqueront tous les serveurs. Et là, on sera bien baisé. Ne pas se faire repérer, pas de problème. Ouais. C'est ça que je déteste par contre. Là, je déteste ce genre de mission où tu ne dois pas te faire repérer. Je suis pas forcément fan perso. Je préfère directement passer en mode bourrin. Bon allez, c'est parti, caméra. Oh, il y a un chien. On déverrouille une porte. Je sais pas, j'actionne tout moi perso. J'aime bien jouer aussi avec les caméras parfois. C'est assez marrant. Bon, arrête d'embrasser le mur. Avance là-bas. Avance là-bas. Et si tu avances pas là-bas, je te jure que... Apparemment, c'est rien. Voilà. Tout à fait. Merde. Heureusement que j'ai lâché la prise au bon moment. On va se cacher ici. Ah, il allait me repérer quand même, hein, le petit vénard. Donc là-bas, j'ai une porte. Mais de toute façon, je peux plus accéder par la caméra là-bas. Peut-être qu'il y a quelque chose de beaucoup plus cool là-bas. Oh, une deuxième caméra, donc je pense qu'il y a un deuxième accès de sécurité. Caméra de surveillance. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Waouh! Le pauvre. Déverrouillé. Voilà. Ferme la barrière, parce qu'on sait jamais. Ah, les petits malins. Bon, caméra de surveillance ici. Lui, il a pas quelque chose à me donner, par exemple. Non, ça, on va l'attendre un peu après. En fait, je repère, il y a combien de gardes pour l'instant? On a 3-4. C'est pas très stressant non plus. Le pauvre. Dommage que tu peux pas le vaporiser, limite, avec ça. Panneau solaire, bah oui, mais ça sert à quoi le panneau solaire? À rien du tout. Et moi, je dois atteindre quel objectif? Store. Oh. À votre avis, les amis, je dois passer par où, moi? Utiliser, c'est quoi ça? Bon, bref, c'est quoi? Je passe en mode action, c'est parti. J'espère juste ne pas recommencer parce que je suis pas vraiment doué pour les filatures. En plus, c'est facile de se faire opérer là-dedans. Voilà, toi tu vas faire un joli dodo. En fait, il faut que j'utilise ce panneau-là, ils sont sérieux. Attends, il y a un mec juste ici, je crois. Voilà, fais attention parce qu'il y en a un autre derrière qui va me repérer. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'arrive, on va dire, à courir et à neutraliser les mecs, c'est que j'ai une capacité spéciale, hein, pour info. Ah putain, par contre là, je peux te démasquer en 2 secondes. Ouh là là. Je me cache, hein, je vous le dis d'avance. Accès autorisé, exact. On va être bien là, je vous le dis. Utiliser quoi? Ah bah attends. Ah c'est là-bas, ouais. Donc le store est open. Je sais pas s'il y a des individus, par contre j'ai pas vérifié. Store fermé. Ah merde, maintenant faut que je m'amuse avec tout le système. Oh non, ça va. Il est relié jusqu'à où le truc?
Ouais, donc je vous disais, j'ai une petite capacité spéciale, donc pour ceux qui voudraient savoir, je vais vous la montrer rapidement. C'est ça en fait. J'espère juste ne pas me faire avoir pendant ce temps-là. Donc la capacité spéciale qui vous permet de pouvoir courir un peu plus, c'est juste celle-là, regardez bien. Comme ça, je vous assure, vous ne faites pas détecter pendant que vous courez, hein. C'est logique. Donc après, il y en a encore une autre. C'est le focus, donc pour l'instant, on n'en a pas besoin. Quoi, il y avait un mec ici? Oh putain, quelle rapidité. C'est même pas détecté un peu, c'est carrément... j'ai montré ma face de citron que ça y est. Ah, oh, c'est abusé comme jeu, je te jure. Ah, ça va, il me remet là. J'aime bien, par contre. Ça, c'est ça, ce que j'aime bien, c'est ça. On sait qu'il y a déjà un mec là-bas qui nous attend. Bon, je vais le tabasser tout de suite. Voilà. Il a fait un joli dodo. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre? Il y en a juste un autre à côté. Il y a des gardes partout ici, hein. Bordel. Attendez, je vais me cacher un peu. Caméra. Parce que je sais pas s'il y a un garde derrière aussi. Parce que des fois je peux avoir une surprise quand même comme ça, hein. C'est quoi? Faire exploser? Si je fais ça, je vais attirer du monde, donc on va éviter. Déverrouiller. Quoique. Attention aux collègues. Voilà, comme ça, ça va me les attirer. Et moi, pendant ce temps-là, je peux passer de l'autre côté. Oh putain, ça m'a détecté tous les points. Mauvaise idée, je crois. Mauvaise idée. J'ai attiré l'attention sur tout le monde. C'est bon. Mais faut savoir aussi que là, je suis mort tout à l'heure. Donc tous les gardes que... Tous les gardes vont réapparaître dans pas longtemps. Utilisez. Utilise. Oh, c'est abusé. Il veut pas utiliser le truc. Ah, pardon, c'est le prof. Oh là là, je suis fatigué, moi. Faut que je localise les terminaux. Oh là là, putain. Pourtant, j'en ai activé un. Ah ouais, bah dommage. On recommence. Assassin's Creed, sors de ce jeu. Sors de ce jeu, assassin. En fait, je voulais voir que... Je pensais que c'était activé par rapport à la porte que j'avais obtenue tout à l'heure, mais non. Bon, bah, tu sais quoi, je passe au mode... j'active tout. Oublie pas qu'il y a juste un mec ici. Coucou. Donc, je vais me mettre ici. Bon, là, c'est parti en cours. Je crois que je vais tous déneutraliser. Comme ça, je vais être tranquille. On va déjà éviter de les faire péter. Ça m'évitera de me faire avoir. Caméra de surveillance. Ah bah voilà. Enregistrement machin. C'est où que t'actionnes le truc là à côté? Le panneau solaire n'a rien à voir. La caméra du mec non plus. C'est vraiment un truc de ouf leur système de sécurité là. Je sais pas ce que vous en dites mais ça blague pas. Y a rien à activer ici? Attends. Ça me fait... D'accord, je viens de comprendre comment je me suis fait rouler en fait, vous allez vous marrer. Hein. On dirait non mais comment ça tu t'es fait rouler? En fait, je vais me cacher ici. Je vais actionner cette caméra. Qui va me débloquer l'accès tout simplement à l'intérieur, je crois. Par rapport à celle-là. Non, par rapport à celle-là. Là, regardez bien. On déverrouille, on est bien d'accord. Oh, mais c'est que cette porte-là que je viens de débloquer. Putain, la vache. Je l'aime bien lui, putain de matos de merde. En fait, il y a même une porte ici à ce que je vois.
Mais je peux... Ah, de toute façon, c'est juste pour le local de l'autre côté, donc on n'en a pas forcément besoin. Donc on est bien d'accord, hein. On va ouvrir la première porte. Merde, y'a un mec, vous voyez? Comme par hasard. Maintenant, il y a les câbles qui viennent d'apparaître. Vous avez vu? Voilà. Comme ça, ça se fera pas voir. Déverrouiller le premier. Attention, parce qu'il y a un garde. Donc, il faudra pas trop non plus se précipiter. C'est bon, il s'est retourné. Et l'autre, il est là-haut normalement. Caméra. J'espère que je peux y parvenir parce que je sais pas où il est exactement. Bon, s'ils m'ont mis un mec ici avec une caméra, c'est pas vraiment pour rien. Je voudrais pas rentrer à l'intérieur. Ou faudrait que je la tire en fait. Ok, j'ai compris. C'est des petits malins quand même. Il y a rien activé là-bas. Ou plutôt la tirer. C'est quoi ça? Voilà, on passe avec lui. Je suis sûr que c'est un truc comme ça. Non mais rentre à l'intérieur. Merde, il veut pas. Non, apparemment c'est rien. Allez. Allez, rentre à l'intérieur. J'ai besoin de toi à perturber les communications, on s'en fout un peu. Putain de fils de pute! Y'a rien pour la tirer. Merde, il veut pas entrer à l'intérieur, parce que c'est juste à l'intérieur, j'ai besoin. Je veux voir si j'entends encore quelque chose. Ouais, ah, t'en as un par contre qui va, et c'est pas celui-là que je voulais. Y'a pas de caméra, y'a rien. Bon bah, j'ai pas le choix que de les neutraliser ceux-là. Aïe, 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 aïe. Ça déconne, c'est tout. Merde. En plus, ils sont deux, donc c'est la merde, hein. Je vais vite me faire avoir, hein, je vous le dis d'avance. Hein. Comment passer pour pas me faire opérer? Je crois savoir. C'est quand même comme ça, lui, j'essaierai de le taper là-bas. Je vous dis, c'est une galère ce genre de jeu. J'ai vraiment autre chose à foutre. Lâche l'affaire. Il finira bien par se réinitialiser. Voilà, et si je pourrais le taper. Mais bon, il y a l'autre qui peut arriver. J'attends juste qu'il vienne vers moi. Et après, je m'occuperai du fameux mec. Parce que je sais pas si lui, je le tape devant l'autre que... Comment vous expliquer ça? Moi, je me fais détecter. Donc, on va attendre un tout petit peu. Sans se précipiter, bien sûr. Parce que j'en ai deux quand même assez coriaces. Comme par hasard, il me sert à rien du tout, le mec. Par contre, on va commencer à s'enfuir. Parce que sinon, ça va être chaud. Voilà, ni vu ni connu. Comme ça, il m'embêtera pas. Voilà, et le dernier aussi. Et maintenant, on peut actionner tranquillement notre fameux truc. Ah, c'était pas évident, hein, vous avez vu? Maintenant, faut que je pirate le terminal. On va prendre quelques composants parce que j'en ai quasiment plus. Oh non, on va éviter d'attirer des nouveaux gardes ici. Pirater le terminal. Là, normalement, je me fais pas repérer. Hein. Normalement, j'ai bien dit. Hein. Je suis pas à l'abri de rien du tout. Voilà. Ah non, attends. C'est comme ça. Celui-là, on va le casser. Ah non, merde. J'ai plus de jus. Attends, il vient. Ah, d'accord, ça vient par là. C'est bon.
Il me reste maintenant plus qu'à orienter les trucs dans le bon sens. Body petit. Voilà, non, j'ai pas de vue de ce côté-là. Tout le monde est alimenté. Effectivement. Putain, j'en ai marre de leur système de sécurité de fou, là. Alors là, je réfléchis vite. Comment tu prêts? Voilà, premier craqué. Deuxième craqué. Ou peut-être que ça n'a rien à voir, celui-là. Attends, parce qu'il me sert pas grand-chose. Voilà, celui-là craqué. Craqué. Vous trouvez pas que c'est quand même abusé par moment? Ouais, mais bon. Donc c'est plus vers le haut que nous faudra que j'oriente, pardonnez-moi. J'ai eu un petit peu la gorge un petit peu morte. Clac, clac, clac. Premier a été fait. Deuxième. Donc c'est celui-là. Faudra que je le pilote de telle sorte que ça fasse ça. Et ben voilà. On pirate le dernier système. Quand tu lâcheras le spyware, ça va déposer un virus. Il va scanner le système, trouver mes données et tout effacer. Ils vont pas le détecter, le spyware? Non. Moi, je pourrais les surveiller, mais... eux, ils pourront plus me voir. Je suis sûr qu'il y aura un pépin. On parie combien qu'il y aura un pépin? Soit il va se faire détecter, ou soit il y aura quelque chose. Damien Brinks? De quoi s'agit-il? C'est bon, c'est fait. Ton nom est effacé, le spyware est en place. Ouais, je commence à avoir les pings. Bon boulot. Maintenant, faut foutre le camp. Attends un peu. Un nom est apparu sur les serveurs, il y a quelqu'un que je connais ici. Il faut que j'aille voir ça. Non, 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 déconne pas, Aizen. Ces mecs, c'est pas des rigolos. T'inquiète, je te rejoins. Il y a quelque chose, là. Il faut que j'aille de l'autre côté. De l'autre côté. Où est-ce qu'on peut se trimballer? Merde, il m'a emmené tout au bout. Saleté de garde. En plus, attention, c'est pas n'importe quel garde, c'est un spécialiste. Oh. Je sais pas si... Ouais, tu me diras, je vais essayer de prendre la caméra. Dites-moi ce que vous savez sur le mec. Ah mais attends, on le connaît lui. Vous devriez savoir que je suis en possession d'infos sur plusieurs de vos dirigeants. Quel genre d'infos? Du genre qui valent une fortune. Mais détendez-vous, je compte pas vous faire changer. Vous ne voulez pas d'argent, alors quoi? C'est simple, je vous laisse les armes. Dans ce monde, rien n'est simple. Quel est votre prix, monsieur Briggs? On peut rien faire en plus. Je veux un accès total au City West. En échange, je vous donnerai Kenny, les infos, et même le justicier une fois que j'en aurai fini avec lui. Je sais, vos supérieurs ne seront pas d'accord. Bon, la porte, il ouvre quand, lui? Jamais? Kenny se cache juste ici, à Pony. Plutôt pratique, non? Veuillez m'excuser. En plus, je peux pas m'enfuir. Faut... Ah ouais. On tient Kenny. Allez. Toujours un plaisir de vous observer. Voilà. L'alarme s'est déclenchée. Fouillez le secteur. Donc moi je vous retrouve tout de suite pour la suite. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout, merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description, et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. À bientôt les amis, prenez soin de vous, et à très bientôt.